Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Nos échanges de ce jour portent sur un sujet important puisqu'il s'agit de la future, des futures modalités de gestion de l'eau en ressources particulières, d'abord parce qu'elle ne nous appartient pas, qu'elle est d'origine naturelle et que de surcroît, nous en sommes finalement totalement dépendants. C'est dire que l'enjeu, au-delà de du simple aspect technique, est aussi un enjeu environnemental fort, pour ne pas dire fondamental. Nous n'avons effectivement qu'une propriété relative en la matière, et les règles juridiques imposent cette notion de propriété afin de réglementer son prélèvement, sa distribution et son retour dans le milieu naturel, et donc le financement de l'ensemble de ce processus. Mais nous ne devons pas oublier que nous la partageons aussi, cette eau, avec d'autres, en tous les cas sur notre territoire, bien sûr, en amont et en aval, qui assurent les mêmes missions que nous, et que nous devons donc partager avec eux la co-responsabilité de cette gestion. Aussi, l'engagement que nous allons prendre pour notre territoire doit remplir plusieurs missions fondamentales. J'en citerai quatre. La première, c'est d'abord de garantir la préservation de la ressource, en nous donnant les moyens techniques, bien sûr, d'un prélèvement de la quantité la plus juste et en investissant sur la fiabilité de notre réseau pour en diminuer les pertes que chacun peut estimer ici ou connaît à peu près. Ensuite, assurer la sécurité sanitaire pour tous les usagers de notre réseau, notamment pour se prémunir en cas de pollution extérieure de la ressource, ce qui amène la nécessité d'avoir plusieurs sources différentes. La troisième, nous devons protéger l'accès à l'eau des usagers, afin que personne ne soit exclu de ce service vital, pour des raisons évidemment naturelles et sociales. La loi a beaucoup évolué pour garantir un droit à l'eau, et nous devons assurer cet équilibre entre la nécessité d'une tarification du service et la nécessaire solidarité entre les usagers. Enfin, nous devons penser à l'avenir, aux générations futures, en tenant compte de tout ce qui va influencer la mise en œuvre de ce service dans les années à venir. Les modes de vie qui évoluent, les futurs besoins pour le développement économique, les extensions des réseaux pour les nouveaux habitants, les agriculteurs, et dont c'est un outil de travail évidemment essentiel. Notre réflexion de ce jour ne doit pas se tourner seulement autour de la question « faut-il une régie ou faut-il une délégation de services publics ?» Non seulement c'est très réducteur des problématiques qui nous attendent, mais c'est surtout en réalité un jeu de rôle. Une opposition factice entre ceux de gauche qui tentent de se faire passer pour des progressistes en acceptant un peu de délégation de services au privé et ceux de droite qui tentent de justifier que le choix de la délégation relève d'autre chose que d'un choix partisan. Soyons clairs, tout nous guide aujourd'hui vers une délégation complète du service, car nous devons justement nous dégager de la gestion quotidienne pour renforcer notre rôle de collectivité stratégique, qui fixe les choix fondamentaux, qui guide la structuration de notre société locale, qui oriente les études et les investissements, et qui évidemment, et peut-être plus que tout le reste, contrôle les résultats de cette gestion. Pour cela, nous vous proposons quelques éléments de réflexion. Tout d'abord, le réseau, les ressources en eau est très majoritairement le champ captant de Crépieux Charny, cela a été redit. Or, il n'est plus possible d'être dépendant à 88% d'une seule source. Sans chercher une source de substitution aussi importante, nous devons naturellement travailler à sa diversification. Mais cela n'ira pas de soi. Une nouvelle source nécessitera d'aller chercher l'eau au-delà de nos propres limites administratives. Comme nous l'évoquions dans les éléments de départ, nous touchons alors à l'interdépendance des territoires. C'est donc une ouverture au dialogue que nous devons engager sans tarder avec nos territoires proches. Deuxième chose, c'est que le patrimoine de ce service est le maillon essentiel. Il est le lien technique entre le bien et l'usager. Nous savons que pour les 20 ans à venir, notre réseau ne va faire que s'étendre et que le prix du service ne couvrira pas l'intégralité des coûts réels et complets. Il nous faut donc un plan patrimonial qui fixe sur une durée du mandat les priorités d'investissement. Le renouvellement des réseaux n'est pas encore à un niveau pertinent et il doit être encore amélioré. Dans le même temps, nous devons soutenir la recherche et le développement pour assurer que les réseaux neufs seront d'une qualité meilleure, pour ne pas dire supérieure,
permettant un entretien moindre et un renouvellement donc plus tardif. Le rapport à l'usager est aussi un élément majeur de ce futur contrat. La vie sans eau n'existe pas, c'est une porte enfoncée, et donc nos habitants sont très sensibles à la quantité et à la qualité de leur eau. Si on peut le comprendre, nous avons toutefois une obligation d'assurer au nom du développement durable une politique de responsabilisation de l'usage. Pour cela, nous devons demander aux délégataires des missions non seulement de sensibilisation, mais plus encore, d'études individualisées des consommations pour proposer des alternatives. Nous devons aussi travailler en amont avec les constructeurs, promoteurs notamment, constructeurs de logements, les bailleurs sociaux, sur le bon usage de l'eau. De la même façon, la confiance que nous offrons dans cette ressource est essentielle à son utilisation comme boisson et permet directement de diminuer l'alternative à l'eau embouteillée. Enfin, toutes ces orientations auront un impact sur le prix, souvent le seul critère que nous regardons. Au-delà des polémiques nouvelles dans l'actualité, il convient plutôt de réfléchir au niveau de services et aux investissements que nous souhaitons intégrer dans les amortissements sur la durée du contrat. Cet aspect plaide d'ailleurs pour un apport financier privé, ceci afin de ne pas obérer notre collectivité des marges de manœuvre pour accompagner le développement de notre territoire. Tout ce qui sera investi par le privé aura deux impacts positifs. Il n'augmentera pas l'endettement de notre collectivité et il reviendra à la propriété publique au-delà de la durée de la délégation. Naturellement, le contrôle fait en interne par notre collectivité devra être sans faille. C'est sur la base de ces réflexions et de ces enjeux d'avenir que notre groupe se positionnera sur les politiques à mener pour le service de l'eau potable. Et je m'associe à cet instant aux remerciements faits à nos collaborateurs de la maison qui ont travaillé sur ce dossier. Merci à vous.